Les domiciles, immeubles et autres sites publics ou privés occupés depuis la crise post-électorale par les ex-combattants ou les démobilisés seront libérés d'ici la fin de l'année 2013. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné cette information au cours d'une rencontre tenue à son cabinet. Une rencontre pour lancer officiellement l'opération de libération des sites illégalement occupés. L'objectif de l'opération, c'est donc d'identifier tous ces sites, ces lieux, en faire une typologie et puis mener des opérations de déguerpissement. Naturellement, nous allons axer le travail sur la sensibilisation, la communication, afin que cela puisse se faire tranquillement, sans accroc. Et dès lors que cette période de sensibilisation sera passée, évidemment, nous serons obligés de le faire en utilisant la force légale. Le ministre Paul Kofi Kofi a également indiqué qu'un atelier sera organisé dans les prochains jours avec les différents acteurs afin de préparer le plan d'action de cette opération qui sera menée avant la fin de l'année.